Coucou mes petits loulous, j'espère que ça va bien. Je rentre de l'école et aussi de Auchan, surtout parce que je suis passée à Auchan. J'ai commandé un petit truc en solde. Bon, je vous en dis pas plus, sauf si vous me suivez sur Instagram, hein, vous le savez. J'ai commandé un truc à la Redoute et le relais colis, il est dans la galerie marchande de Auchan. Et donc, trouver un petit truc en solde, mais tout ça, ce sera dans une vidéo facteur, solde, etc. Je brille de partout, j'ai refait un peu mon make-up, mais ça se fout. C'est pour régler les couleurs de votre écran, ça. Hein. Bon, alors, je vous retrouve ce soir pour une petite vidéo parce que je suis trop contente. J'ai une abonnée qui s'appelle Elena. Ça commence bien. Qui m'avait envoyé un message avant les fêtes. Tiens, j'ai un cheveu. Là là, ça va très bien. Avant les fêtes. Sur ma page de Facebook Barbie Joue et qui m'avait dit moi aussi voilà je vends des bijoux, j'ai ouvert une petite boutique, etc. J'aimerais bien faire un partenariat avec toi. Et je sais pas pourquoi, mais au début j'ai cru que je me suis dit c'est une connerie ou tu sais, j'en ai pas mal des messages moi aussi, je fais des bijoux, si tu peux me donner un petit coup de pouce ou des conseils, alors que moi je connais que dalle, je fais ça vraiment à l'arrache à ma manière quoi on va dire. Donc j'ai pas trop de conseils, enfin, non j'ai pas de conseils du tout à donner d'ailleurs. Bref. Et elle m'avait dit, voilà, j'aimerais bien que tu choisisses 50 euros sur ma boutique, etc. Et je t'envoie, alors elle a des sacs, elle a des bijoux, elle a des vêtements. Ouais, parce que j'ai vu passer des jeans, des t-shirts, ça. Moi, les vêtements, je sais jamais trop, enfin, je suis en jogging tout le temps. Donc, et par contre, les sacs à main. Donc, elle a une page Facebook et c'est Beautica, enfin, Beautique, finalement, tirer, apostrophe, pardon, non, c'est pas un tiré maîtresse. apostrophe Elena, donc Beautique Elena, sur Facebook. Donc, elle le vend uniquement que sur sa page pour l'instant. Elle a une page Facebook et un Instagram au même nom. Je vous mettrai en barre d'infos. Donc, bah, vous la contactez si vous voulez. Elle fait les soldes en plus en ce moment, ce qui ne gâche rien. Elle a des beaux portefeuilles ouais, et porte-monnaie. Elle fait des soldes. L'envoi est en suivi, elle passe par Mondial Relais, donc l'envoi est de 2 à 4 euros, parce que je vais poser plein de questions, hein. Je vais poser plein de questions, donc de 2 à 4 euros selon ce que vous prenez, donc là il va y avoir des nouveautés aussi, moi j'ai choisi 3 articles, et elle m'a en plus mis des trucs, vous verrez, je vous ai fait des plans rapprochés de tout, des close-up comme on dit aux États-Unis, aux States, en Amérique, à New York, comme on dit à New York, je vous ai fait des close-ups. Ouais, mais je suis un peu énervée hein. Quand je rentre de l'école, en fait, je crois que c'est les nerfs, tu vois. Donc, je vais me calmer, je me recentre et je vais vous montrer ce qu'Elena m'a envoyé. N'hésitez pas à lui passer une petite commande. En plus, il y a un article, honnêtement, je vous l'ai pris en photo, je vous l'ai déjà mis sur Instagram et Facebook. Et franchement, il a du succès. Et j'essaierai de vous dire les prix si je m'en rappelle. Je sais pas si je m'en rappelle de tout. Mais sachant que tout est en solde quasiment, donc bon, je vous montre le plus bel article en dernier. Alors, en premier, j'ai demandé dans une boîte, et elle avait 3 modèles différents, il y avait doré, argenté ou mordoré, je crois. Donc, la boîte, j'ai ouverte, hein, donc je vous montrerai en close-up ce que ça donne. Et moi, j'ai pris rose gold, puisque je suis une youtubeuse, et toute youtubeuse qui se respecte a des bijoux rose gold. Donc... Ouais, c'est rose gold, moi je dis pas de conneries. Non, non, c'est ça, c'est mordoré. Donc c'est un bracelet, un jonc en fait, je crois que ça s'appelle comme ça. J'en ai un depuis mes... Oh ! Depuis au moins presque, je sais pas, 17 ans ou 18 ans que j'avais eu dans un magasin Agatha à Amiens. Marjo, ma copine qui habite à Amiens, elle va me dire que ce magasin n'existe plus depuis au moins 15 ans. Mais ouais, je crois qu'en 2001, ouais, c'est en 2001, j'étais allée avec ma copine Alexandra et j'avais acheté un jonc chez Agatha qui... quasiment semblable et que j'ai toujours, et quand je l'ai vu sur la boutique d'Elena, je l'ai trouvé magnifique. Donc c'est pas elle qui fait ses bijoux hein, je lui ai posé la question, mais voilà. En tout cas celui-ci avec trois rangées de strass, il est en plus hybride de fou, j'espère que vous en rendrez compte, hybride de fou, je suis trop contente. Et ben d'ailleurs ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre, bah oui. T'inquiète pas si mes mains elles sont toutes roses, mais c'est parce qu'il fait quand même pas fort chaud. Donc voilà. Oh, c'est froid. Je le trouve magnifique. Je crois qu'il était à 12 euros celui-ci. Hein, ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai pris. Oh, mais attendez les filles, je vous ai même pas lu. Parce qu'il y avait quand même une lettre accessoirement. Alors voilà. Voilà.
Yutika Elena. Elle a mis, ouais, donc c'est son Facebook et son Instagram. Voilà, il y avait des petites cartes. Il y avait une petite carte comme ça et il y avait la fiche destinataire du relais colis de Mondial Relais en fait. Alors, c'était écrit « Coucou Caroline » avec un petit cœur sur le « i ». Depuis le temps que je te suis, tiens d'ailleurs je suis en train de me toucher ça, c'est la maman de Marie-Ange de la chaîne Mon Ange qui l'a fait, elle m'en a fait cadeau et j'avais envie de le porter dans cette vidéo. Depuis le temps que je te suis, c'est avec grand plaisir de faire ce partenariat avec toi en espérant que les articles te plaisent. Oh, tu ne crois pas si bien lire. Gros bisous et bonne découverte Elena, Beautica, Elena. Voilà. Et ouais, je sais pas pourquoi au début Elena, j'ai cru que c'était une blague parce que j'en ai des gens qui me proposent des partenariats et tout ça, mais je sais pas, des fois, je sais pas pourquoi j'y crois pas encore, hein. Tu sais, des fois quand on offre des partenariats, je crois qu'on me fait une farce et qu'en fait, c'est juste des gens qui ont envie de me parler et qui se disent peut-être qu'en me proposant un partenariat, je vais leur répondre, même si je réponds quand même souvent aux messages, mais pas tout le temps, honnêtement pas tout le temps, parce que bah, j'ai pas tout le temps le temps, mais ouais, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, comme elle m'a dit, je suis une abonnée, je vends aussi, au début, quand je suis allée sur sa boutique Facebook, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de jolies choses, dont ceci. Ça, j'ai souvent vu passer, et je crois que c'est Addict Amy aussi. Ouais, non, mais je crois pas, c'est sûr, elle en fait des boucles d'oreilles comme ça. D'ailleurs, si elle passe par là, bon, on en fait toutes, mais on peut quand même se faire un petit coup de pub. Et je les ai trouvées mignonnes, et il y avait toutes les couleurs, il y avait du gris, il y avait du marron, il y avait, je sais plus quoi encore, du rouge. Et je me suis dit, mais prends-les en noir, Caro, parce que, eh ben, ça tombe très bien. Je vais pouvoir même les mettre. En fait, je vais finir avec toutes les trucs que tu m'as envoyés. Ah non, j'ai mis mes petits Mickey de chez AliExpress aujourd'hui. Non, bah, je vais pas pouvoir les mettre. Mais n'empêche que si je les mettais, ça pourrait être sympa. On dirait une espagnole. Je sais pas pourquoi ça fait espagnole quand je fais ça. Qui va te lire les cartes. Non, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais en tout cas, je les trouve magnifiques. Alors moi, vous savez que je n'aime pas les boucles d'oreilles encombrantes. Et pourtant, à chaque fois que je fais un partenariat, j'ai envie d'en tester. Je me dis comme ça, je pourrais les porter en vidéo et tout ça. Je les ai trouvées magnifiques. Bon, merci Elena. Celle-ci était à 8€. Je crois les avoir vues soldées. Ça, je suis pas sûre, mais je crois les avoir vues soldées. Ensuite, elle m'a rajouté des choses. Bah oui, parce que comme si ça suffisait pas. Avec un petit sticker, c'est écrit merci avec une bouche, un post-it quoi. Elle m'a rajouté ça et ça tombe très bien parce que je vais les... Oh, trop beau. Je vais les mettre sur mes clés, pas de maison parce qu'il y en a déjà plein, je pense mes clés de voiture. Ouais, je pense mes clés de voiture, ça peut être pas mal. Donc je l'aurai tout le temps avec moi et je le trouve trop mignon. Merci. Et alors, ah non, j'allais dire, et le clou du spectacle. Non, c'est pas encore le clou. Ah bah tiens, je dois changer mon vernis, bah ça tombe très bien. Bon bah vous avez compris que c'était un vernis. Donc il y a trois vernis comme ça. Et en fait, c'est des vernis, que je dise pas de conneries, c'est Laetitia, ouais, là, la marque, ouais, c'est, ils sont, ah, Caro, tu fais de la catastrophe, c'est des métalliques, donc je vais essayer d'en mettre un ce soir, je sais pas entre, voilà, je sais pas lequel je vais mettre, en fait, je sais pas, bah, peut-être celui que je viens de vous montrer, en tout cas, je vais essayer ça ce soir. J'aime bien les vernis métalliques, hein, vous l'aurez compris, c'est un peu métallique, un peu ma couleur préférée, la couleur. Est-ce que vous me suivez? La couleur? Oui, mouche à merde. Ensuite, donc merci, parce que ça, ben voilà, fait ça toute la journée. Ça, je vais tester ce soir. Bah tiens, je ferai une petite photo d'ailleurs, Elena, comme ça tu verras ce que ça donne. Si vous vous demandez avec quoi je me suis maquillée, mais je suis maquillée depuis très tôt ce matin. Donc, c'est la palette Jeffree Star, la Thirsty. Je peux rien dire sur les palettes Jeffree Star. Et je passe du coq à l'âne en permanence. À me remarquer, je suis en train de parler d'un truc, tu vois, oh, une mouche qui vole. Alors, la mouche, je suis vermontée en lancée 122. Tu sais, j'ai toujours un truc à raconter, quoi. La mouche est l'insecte le plus petit de la Terre. Non, mais je raconte n'importe quoi. En tout cas... Voici maintenant le clou du spectacle. Et là, franchement, je suis trop contente. C'est ce sac, mais je le trouve mais magnifique. Moi, j'appelle ça couleur cendre de rose. Mais tu peux aussi l'appeler bois de rose ou vieux rose.
En tout cas, c'est une couleur qui est entre le rose, le marron, le taupe. Enfin, c'est un mélange de tout. Ces sacs-là, vous avez dû en voir des centaines avec la chaîne comme ça. Moi, j'en avais commandé perso sur AliExpress. Mais celui-ci, honnêtement, quand je l'ai reçu, mais il est 100 fois plus qualitatif. Hein. Bah, heureusement encore. Tu me diras, parce que Elena va dire, non mais attends, produit AliExpress, moi. Hein. Alors, t'arrêtes, hein, parce que sinon, je te casse la gamelle. Hein. Si, si, Elena pourrait dire ça. À l'intérieur, donc la contenance, il y a le petit sachet en silica gel, là, j'appelle ça, moi. L'intérieur, ce n'est pas du cuir, hein, les filles, hein, par contre. Hein, je vérifie, c'est écrit quoi, ne pas laver. Qu'est-ce que vous avez? Il y a un petit truc. Non, ce n'est pas du cuir, c'est du polyuréthane, c'est ça? Doublure? Ouais, je sais pas, j'arrive pas, c'est trop petit. En tout cas, voilà, l'intérieur, il est basique, mais par contre, l'extérieur, déjà, rien que ça, c'est juste magnifique. La chaîne, donc tu peux... En fait, c'est un de ces sacs que tu peux porter et court, vous avez compris, vous connaissez le principe, et porter épaule, tu vois? Enfin, porter bandoulière ou porter épaule, oui, je me trompe à chaque fois. Lance! Parce qu'on ne dit pas la hanse, mais moi je dis toujours la hanse, c'est trop ancré en moi. Lance! Et comme ceci, régale. Et franchement, il est vraiment qualitatif. Celui-ci était à 30 euros et je l'ai vu soldé à 25. Et elle m'a dit aussi qu'apparemment, elle allait recevoir exactement le même modèle en vernis. Et alors ça, et ma mère, elle le veut déjà. Donc, bah écoute, Elena, je regarde en même temps mon highlighter. C'est un... Alors, tu vois comment je vais passer du Coq à l'âne? Et bah comme ça. Ça, c'est un highlighter de la gamme. Tiens, d'ailleurs, je l'ai foutu. Ah, oh, il est là-bas. Bon, bref, je te montre de quelle gamme c'est. C'est cette gamme-là, de chez Too Faced. Il prend bien la lumière quand même. En fait, dans la lumière du jour, non. Mais là, avec les éclairages, t'as l'impression qu'il est... Alors qu'en lumière du jour, non, pas tant que ça. Bref, c'était juste pour dire rien du tout. Donc, Elena, dis-moi si tu l'as encore exactement en mat ou si tu ne l'as plus en mat et que tu vas l'avoir en vernis. Parce qu'en mat, en plus, à 25 euros, là, je vais te le prendre tout de suite pour ma mère. J'aurais pu te le dire en message, mais c'est parce que je voulais pas t'embêter. Je crois qu'elle est partie en vacances et je lui avais déjà posé tellement de questions. Enfin, bref, donc voilà les filles, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Pensez à Beautique, Elena. Elle est vraiment sympa, c'est très très sérieux au niveau de l'envoi. Moi je sais qu'elle m'a envoyé tout de suite la photo du paquet et après elle m'a envoyé tout de suite la photo du numéro de colis. Donc comme ça je pouvais suivre mon colis si j'avais envie, c'est arrivé ultra ultra rapidement. Elle m'a dit je te l'ai envoyé, il est arrivé hyper rapidement. Bon bah voilà les filles, j'espère que ce petit haul... Ouais, c'est un haul, ouais, vous aura plu. Merci Elena, parce que franchement, je suis contente vraiment. Oh là là, mais moi, pouvoir faire des partenariats mode beauté quand tu m'envoies des trucs comme ça, mais c'est pas possible, quoi. Je te jure, je crois que je rêve. En tout cas, je vous fais des gros bisous, les filles. Dites-moi ce que vous en avez pensé en dessous. Et puis, n'hésitez pas, parce que les soldes sont là. Donc, allez faire un petit tour. Elena, c'est vraiment quelqu'un de très, très sérieux au niveau de l'envoi, vraiment. Et puis, au niveau de la qualité, je pense... Honnêtement, que vous ne serez pas déçus, hein, je pense. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite pour une vidéo. Il y a solde, le facteur est passé, il y a le crash test de toutes les nouveautés de maquillage essence. Et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Là, j'ai mis une vidéo hier, mais du coup, il y a eu un big bug YouTube. Donc du coup, pour l'instant, elle n'est pas très regardée. J'ai essayé plein de make-up, you are cosmetics. C'est pareil, c'est du make-up à tout petit prix. Donc allez-y, il y a juste eu un petit bug au niveau de la palette des yeux, mais vous verrez. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo.